Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner quelques conseils pour débuter au bottleneck. Cette vidéo va se découper principalement en trois parties, des généralités, puis une partie acoustique et une partie électrique. Toutes les questions que je vais aborder dans cette vidéo sont dans la description avec un minutage précis, donc vous pouvez directement vous rendre au point qui vous intéresse. Bien, sur ce, c'est parti. La première question à aborder, c'est comment bien choisir son bottleneck. Des bottlenecks, il en existe principalement de trois types. Il existe des bottlenecks en verre, en métal et en céramique. Alors là, comme ça, je pourrais pas vous faire écouter les trois types, parce que je les ai pas sur moi. Mais ça se trouve très facilement sur YouTube, vous tapez « bottleneck material sound », vous allez trouver très facilement. Et vous allez trouver aussi que la différence, elle se trouve pas tant au niveau du timbre. C'est-à-dire, en entendant un joueur de slide jouer, je peux dire plein de choses sur son jeu, mais je peux absolument pas dire, comme ça, d'oreille, à l'aveugle, quel type de bottleneck il utilise. Donc la différence, elle se fait pas ressentir au niveau du timbre. La différence, elle se fait principalement ressentir sur deux points. Le confort de jeu, parce que vous n'allez pas du tout avoir les mêmes sensations de jeu en fonction de la matière dans laquelle est fait votre bottleneck. Ça dépendra aussi du poids, notamment. Mais aussi sur le sustain. Alors moi, personnellement, j'ai une préférence pour les bottlenecks en métal quand je joue sur guitare électrique, et les bottlenecks en verre quand je joue sur acoustique. C'est vraiment propre à chacun, il n'y a pas de mauvaise matière, il n'y a pas de mauvais bottleneck si vous voulez, ça n'est qu'un outil, et c'est une histoire de préférence. Le deuxième point à aborder après la matière sur le bottleneck, c'est le diamètre interne. Parce que ça pour le coup, ça va être un point essentiel de votre jeu au slide. Un bottleneck, il doit être confortable à porter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que lorsque vous le mettez au doigt, et que vous le secouez comme ça, votre doigt, il ne doit pas tomber, comme fait le mien actuellement. Donc c'est que le mien, il n'est pas encore confortable à porter. Il me faut un diamètre qui soit encore plus réduit que ça. Attention, ça ne doit pas vous serrer non plus, vous ne devez pas avoir du mal à le mettre. Mais il faut trouver un compromis. Alors, celui que j'ai utilisé pendant très longtemps, vous allez voir, c'est ça. C'est le Dunlop 211 en verre. C'est à ma connaissance le diamètre interne le plus petit du marché. Il fait 17 mm de diamètre interne. La moyenne, ça tourne à 20. Voilà, si vous êtes en dessous, vous êtes en dessous du standard. Vous pouvez trouver du 19, du 18, du 17. Vous pouvez monter jusqu'à 22 voire 23 mm. Voilà, mais là c'est que vous avez quand même des doigts très 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 gros quand même. Et vous voyez, 17 mm, je le mets, je secoue, et alors il tombe quasi instantanément. Là je risque d'ailleurs même de le casser si je continue à jouer comme ça. Hop là, pas cassé. Donc je recommence, vous voyez, voilà, vous voyez, si je le mets et que je secoue un petit peu avec les doigts vers le bas, il tombe quasi instantanément. Je veux dire, c'est pas du tout confortable à jouer pour moi. Donc je m'en suis fait faire fabriquer un sur mesure, en verre, par une société dont le nom s'affiche là, c'est Diamond Bottleneck, pardon pour ma prononciation. Alors je l'ai fait fabriquer à 16,7, et vous voyez que c'est pas encore assez, je veux dire, si je le mets et que je le secoue, il finit forcément par tomber. Donc moi il me faut du 16,4, et 16,4 malheureusement ça ne se trouve pas sur le marché. Comment je fais pour jouer confortablement avec ça, si ça ne me va pas au niveau du diamètre? Alors il y a une technique qui est très simple, Je prends un bout de mouchoir comme ça, que je coupe, je viens en couper une petite surface comme ça, je le plie, hop là, vous voyez, je le plie comme ça en deux, des fois même en trois, ça peut marcher, hop là, oui, j'en fais un petit rectangle comme ça, je viens le mettre ici là, au niveau de mon doigt, et pendant que c'est mis sur mon doigt, hop là, voilà, je l'attache bien, pendant que c'est mis sur mon doigt, je mets mon bottleneck comme ça, ici. Vous voyez, il y a toujours le bout de mouchoir qui dépasse. Hop, je mets mon bottleneck comme ceci. Et là, vous voyez, j'aurai beau le secouer dans tous les sens, il ne tombera plus. Il est complètement bloqué. Donc là, mon bottleneck, il devient confortable à jouer. Vous voyez, ça ne tombe plus. Je peux secouer autant que je veux. Hop là. Ça ne tombe plus du tout. Alors du coup, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous allez en magasin et vous testez des diamètres, et vous regardez s'il y en a un qui vous convient ou pas. Alors évitez quand même de faire ça dans le magasin pour casser le bottleneck s'il est en verre. La deuxième solution, vous prenez un mètre ruban que vous mettez autour de votre doigt et vous regardez ensuite combien de diamètre fait votre doigt et vous prenez quelque chose qui soit dans ces alentours-là. Alors un autre facteur qui va avoir son importance dans le jeu au bottleneck, clair de rien, c'est l'épaisseur de celui-ci. Les bottlenecks en métal, ils ont tendance à être relativement fins, mais en général, ils sont plutôt utilisés à la guitare électrique. Ils sont très peu fins parce que c'est un matériau qui est très dense.
Les bottlenecks en verre, eux, le verre à l'inverse, c'est une matière qui est très peu dense. Et si elle est trop fine, on va manquer de sustain. Donc il nous faut compenser ce manque de densité en fait par une plus grosse épaisseur du bottleneck. Généralement, on trouve dans le commerce des bottlenecks en verre qui sont très très fins, voire trop fins. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je les aime pas trop. Celui que j'utilise là, le Dunlop 211, donc qui fait 17 mm de diamètre interne, hein, c'est vraiment... c'est tout petit. Alors j'attends que le focus se fasse un petit peu, voilà, désolé. Hop là, voilà. Vous voyez, ça reste relativement fin. Et vous voyez que les bords, hein, ils sont quand même vachement épais. Hein. Ça fait, il me semble, quelque chose comme 4 mm. 4 mm d'épaisseur. Le bottleneck que je me suis fabriqué, lui, il fait 5 mm d'épaisseur. Alors, vraiment, l'idéal, hein, je pense que c'est du 6. Si vous arrivez à trouver 6, c'est excellent. Mais la plupart de ceux qu'on trouve dans le commerce, ils font 2 mm. Évitez ces bottlenecks-là. Quand même, hein, il manque de densité, il manque un peu de sustain, ça se ressent énormément en acoustique. Un autre point qu'il faut aborder ici, et qui va être essentiel dans le jeu au slide, c'est à quel doigt est-ce qu'on va mettre le bottleneck. Alors, avant ça, il va falloir que j'explique comment ça fonctionne un bottleneck, très rapidement. Un bottleneck, ça vient remplacer les frettes de votre guitare. Vous voyez ici, là, vous avez vos frettes, et en fait, c'est ça qui sélectionne votre note. Je veux dire, ça n'a aucune influence que vous jouiez ici, à cet endroit-là de la frette, ou à cet endroit-là. C'est exactement la même note. Or, si je joue ici, ou là, c'est plus du tout la même note. Hein. On a presque un demi-ton de différence. Donc, je dois jouer pile-poil au-dessus de la frette. Et donc, mon bottleneck, il doit être posé. Il ne doit pas appuyer comme un bourrin, sinon, vous voyez, ça, la corde finit par toucher la frette. Et j'ai plus du tout un jeu confortable. J'ai un jeu qui est même très inconfortable. Hein. Je veux dire, la corde ne sait plus si elle doit vibrer sur la frette ou sur le bottleneck. On finit par obtenir un jeu imprécis. Vraiment, ça ne va pas du tout. Donc, en posant mon bottleneck seulement, je vais produire deux notes simultanément. Une de chaque côté du manche. Et si je slide, vous allez très distinctement entendre deux notes. Vous voyez que si je bloque ici cette partie-là de la corde, il y a quand même cette partie-là qui va résonner juste en slidant. Donc ça, cette partie-là de la corde, on va vouloir la bloquer. Comment on la bloque, hein? Ben c'est très simple, hein? On vient ici poser nos autres doigts, et donc... Vous voyez, si je... On entend très clairement la note que je fais et pas la note qui est derrière, que si j'enlève, on entend distinctement deux notes. Ce qui nous oblige à ne pas mettre le bottleneck à l'index. Vous pouvez le mettre à tous les doigts, mais il vous faut à minima l'index pour bloquer l'autre côté du manche, en fait, hein, pour éviter qu'il ne résonne. Donc on peut mettre le bottleneck à tous les doigts, sauf l'index. Alors, il y a une exception à ça, c'est quand vous jouez sur acoustique, notamment en open. Hein, à la 12e case précisément, vous êtes pile poil à la moitié de la longueur de corde. Donc en fait, à cet endroit précis, les deux notes que vous allez produire sont exactement la même des deux côtés. Et donc, c'est le seul endroit, vraiment, quand vous êtes sur la 12e case, où vous pouvez vous permettre de lâcher les doigts qui sont derrière pour vous laisser passer l'ensemble des fréquences. Parce que, voilà, vous ne produisez pas des notes parasites, hein, dans ce cas-là, c'est vraiment les mêmes notes des deux côtés. Et en plus, ça apporte une résonance à l'instrument qui est quand même très très agréable. Alors, globalement, il y a deux tendances qui se dégagent. Il y a à l'annulaire, le mettre à l'annulaire, ou bien le mettre à l'auriculaire. Moi, j'ai une petite préférence pour l'auriculaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on joue, ça veut dire que non seulement on peut bloquer, hein, tout comme toujours, hein, j'en sais rien, moi. Je bloque les notes de ce côté-là du manche, et en même temps, je peux continuer à jouer des notes frettées. Vous voyez, je peux continuer à jouer des accords... Thank you.
de slide avec l'index. Jamais, jamais. Le majeur, c'est déjà beaucoup plus rare. Il y en a qui le font, mais c'est beaucoup plus rare. Alors ensuite, une autre question, c'est à quelle phalange porter son bottleneck. Là encore, c'est une question de goût, c'est vraiment une question de préférence. Moi, j'aime bien avoir voilà, le doigt plein. Mon bottleneck est beaucoup plus long que mon petit doigt. Et ce, pour une raison très simple, hein, c'est-à-dire que j'aime l'idée de pouvoir faire un barré complet. J'aime l'idée que mon bottleneck en fait, puisse prendre la totalité des cordes en barré. Hop là, ce qui fait que, vous voyez, hein, mon bottleneck est plus long que mon petit doigt, hein, il dépasse largement. Voilà, il y a bien 2 cm, je pense, qui dépasse. Cela dit, il y en a qui portent leur bottleneck pas complètement, pas sur la totalité du doigt. C'est-à-dire qu'ils le portent sur certaines phalanges, des fois ils le portent même à ce niveau-là, vous voyez. Sur le majeur, ils peuvent le porter ici, pas sur le doigt complet. Encore une fois, c'est une question de préférence et il n'y a pas de meilleure solution que d'autres. Hein. Là-dessus, c'est vraiment vous qui voyez comment vous vous sentez à l'aise, comment vous vous sentez confortable. Il y en a même qui prennent des bottlenecks. En général, c'est ceux qui ont des doigts très longs, hein, mais certaines personnes qui ont des doigts très courts, ils portent leur bottleneck et alors le bottleneck est plus court que le doigt. On voit le bout du doigt qui dépasse. Ça arrive aussi, hein. Encore une fois, là-dessus, vous êtes les seuls juges. Vous êtes les seuls juges. Ça n'entravera pas votre jeu au bottleneck. C'est juste une histoire de préférence. Alors, une question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'on peut jouer du bottleneck dans tous les accordages ? Oui, on peut jouer du bottleneck dans tous les accordages. Ma nationale que vous voyez ici, elle est accordée en open de sol, donc c'est un accordage ouvert, hein, mais celle-ci, elle est accordée en accordage standard, un ton en dessous. Et ça m'empêche absolument pas de jouer du slide dessus, hein. Voilà, ma grille était peut-être fausse, hein, voilà, j'ai fait quelque chose dans l'esprit d'eux, hein, j'ai pas fait une grille exacte, bref. Donc oui, on peut jouer du bottleneck dans tous les accordages. L'accordage, encore une fois, ça n'est qu'un outil, je veux dire, vous faites absolument ce que vous voulez avec. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les accordages, hein, je vous invite à la regarder, hein, le lien s'affiche ici. L'accordage, c'est comme le bottleneck, ça n'est qu'un outil. Si on m'enlève le bottleneck, je peux encore jouer. Si on vous change votre accordage, normalement, vous êtes encore capable de jouer. La preuve, hein, c'est que sur la vidéo que j'ai faite sur les accordages, j'explore à la fin un accordage que je n'ai jamais joué auparavant et j'arrive quand même à faire quelques petits trucs à droite à gauche. Tout ça, ça n'est que des outils. Si vous êtes musicien, vous pouvez vous débrouiller avec, sans, avec toutes les contraintes. Alors certes, vous ne serez pas aussi à l'aise que dans vos conditions optimales, mais vous pouvez quand même vous débrouiller. Alors en général, l'accordage standard, ça va être utilisé pour des sonorités peut-être un petit peu semi-pop folk, voilà, ou pop blues, enfin ce genre de choses-là. Le blues, cela dit, peut très bien se jouer en standard comme je l'ai montré avec le slide. En revanche, tout ce que je vous ai joué avec cette guitare depuis le début, c'est en open de sol, donc ré, sol, ré, sol, si, ré. C'est un excellent accordage pour le blues et pour le slide de façon générale, hein. Je veux dire, voilà, vous avez... Voilà, c'est un accordage aussi qui est très connoté hawaïen, mais bon, là, en général, on joue pas avec le slide ou alors en lap style, hein. Vous vous souvenez, sur les genoux avec ma Wilson Band, par exemple. Voilà, c'est très connoté hawaïen aussi, hein, je veux dire... choses où on trouve beaucoup voilà. Après vous avez un deuxième accordage, hein, c'est l'open de ré, ré la ré, fa dièse la ré.
Tout ça, j'en ai parlé hein, dans ma vidéo sur les accordages. Pour y revenir rapidement dessus, c'est un accordage qui va être beaucoup plus connoté country. Vous avez par exemple Jitterbug Swing de Bukka White qui fait quelque chose comme... C'est beaucoup plus connoté country, même si on a des blues hein, qui ont été enregistrés dessus. Vous avez par exemple Denver Blues de Tampa Red qui est magnifique et qui fait quelque chose comme, voyons voir, de tête. Elle veut pas. Hein. Voilà, donc on peut quand même jouer du blues avec, hein, mais c'est quand même beaucoup plus connoté country en général. Je ferai une vidéo hein, sur comment aborder les accordages ouverts, etc. Une fois qu'on a chopé le truc, c'est super facile, vraiment. Alors une autre question un peu plus complexe, hein, c'est est-ce que je dois avoir une guitare dédiée au slide ? Bon, comme vous l'avez vu, hein, on peut jouer vraiment sur toutes les guitares et dans tous les accordages. Donc ça va dépendre de vous, en fait. Est-ce que vous voulez jouer en open ou pas ? Est-ce que ça vous saoule de changer d'accordage à chaque fois ? Tout ça, ça dépend de vous. Je veux dire, maintenant, j'ai ma nationale qui est quasiment constamment accordée en open, et celle-ci qui est accordée en standard, une fois un ton en dessous. Mais avant, je n'utilisais que celle-là, et je m'embêtais à changer d'accordage à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est plus confortable d'avoir une guitare par accordage, mais je veux dire, ça encore une fois, ça ne dépend que de vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une guitare dédiée au slide. En revanche, pour pouvoir jouer du slide confortablement, il y a deux paramètres qu'il va falloir peut-être revoir sur votre guitare, qui sont l'action des cordes et le tirant des cordes. Alors comme je l'ai dit précédemment, le bottleneck, on le pose sur la corde, on n'appuie pas sur la corde. Et donc on veut que la corde, elle ait une certaine résistance. C'est-à-dire, si vous faites du funambulisme par exemple, et que vous avez une corde qui est très peu tendue, vous avez beau peser 40 kg, la corde, elle va faire hop là, comme ça. Alors que si la corde, elle est extrêmement tendue, mais vraiment à l'extrême, vous aurez beau peser 90 kg, la corde, elle va faire « Non, pas de soucis, mon coco, tu peux y aller, vas-y, tout ton poids, quoi. » C'est exactement le même système. On va chercher à avoir un toucher le plus léger possible sur la corde. Vraiment quelque chose de très léger qui appuie vraiment à peine sur la corde. Hop là, je vais essayer de damper quand même. Voilà, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un bourrin, loin de là. En revanche, eh ben, si vous avez un tirant de corde faible, de la même manière que si la corde est très peu tendue, ben, elle va avoir tendance à descendre et vouloir rejoindre les frettes. Elle va opposer aucune résistance au bottleneck. Et c'est ce qu'on veut chercher. Donc en termes de tirant, il va vous falloir des cordes un peu plus costauds pour pouvoir soutenir le poids du bottleneck. Alors si vous jouez en standard, mi, la, ré, sol, si, mi, vraiment, hein, pas un ton en dessous, je vous conseille du 13-56, pour moi c'est le minimum. Si vous jouez un ton en dessous, ou alors que vous jouez en open de sol ou de ré, je vous conseille du 13-56 aussi, mais vous changez la corde aiguë, du coup de ré aiguë, hein, à partir de ce moment-là, vous la faites changer pour un tirant 15, parce que si vous accordez plus bas, forcément il y a moins de tension, donc il faut compenser. Concernant l'action, ouais, il faut la monter. Il faut la monter. Si vous voulez jouer avec une action basse, eh ben forcément, la corde, lorsqu'elle va descendre un petit peu, quand vous allez appuyer dessus avec le bottleneck, elle va finir par toucher la frette. Donc il va falloir que vous montiez un petit peu l'action. Un moyen simple sur les acoustiques, hein, c'est de rajouter de la matière sous le scié de chevalet. Ah, ça, c'est le moyen le plus simple. Alors dans l'idéal, faites faire ça par un luthier. Hein, je veux dire, il va vous faire ça très bien. Vous lui dites que c'est pour jouer au slide. Il va vous monter un petit peu l'action des cordes, pas de souci en rajoutant de la matière. Dites-lui quand même que vous voulez toujours jouer avec les frettes, hein. c'est pas non plus du lap steel. Alors après, bon là on rentre dans quelque chose de plus mastoc, hein. Mais la nationale, elle supporte des tirants de cordes beaucoup plus élevés.
On peut aller jusqu'au 18, hein, encore des culs, donc ça y va. Là-dessus, je mets du 16,59. Voilà, il conseille de pas dépasser le 13,56, mais voilà, moi j'ai mis du 16,59 dessus. Ça tient nickel, c'est parfait, les basses sont bien définies, les aigus, ça marche nickel. Et évidemment, il n'y a pas besoin de guitare à résonateur pour faire du bottleneck, hein, non, du tout. Un autre point sur lequel je veux absolument revenir, et ça c'est valable pour électrique et acoustique, comment je joue à la main droite? Oui, je suis gaucher, pour moi ça c'est ma main gauche, hein, mais comment je joue à la main droite? Par pitié, pas de médiator. Pas de médiator. Ça n'est pas un ordre, encore une fois, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous jouez au médiator, le gros problème, c'est que comme vous faites un barré, et que vous n'allez pas toujours lever votre bottleneck pour les phrases un petit peu plus rapides, votre corde, elle va continuer de résonner. Et donc vous n'allez pas pouvoir bloquer la corde qui continue de résonner. Je veux dire, si je fais un plan, par exemple, si je veux par exemple attaquer cette corde-là, puis ensuite cette corde-là, et faire en sorte que celle-là ne résonne plus dans ma mélodie, je vais être obligé de bloquer ici avec ma main droite. Je parle en droitier, hein. Je bloque ici cette corde-là avec ma main droite au moment où je ne veux plus qu'elle sonne. Et donc, chose qui sera absolument impossible à faire au médiator. Et autant à la guitare acoustique, ça peut encore passer, autant à la guitare électrique avec la compression du son et la distorsion, ça va très vite devenir absolument ingérable. Donc, le médiator au bottleneck, de préférence, on laisse tomber, on abandonne. Alors après, moi, vous avez remarqué, hein, je joue pas au doigt comme ça. Moi, je porte des onglets. Moi, j'ai des onglets en plastique, j'utilise ça. Voilà, ça fait très bien l'affaire. Hop là. Alors, comment on met des onglets, hein, très rapidement. Vous voyez, c'est comme ça, comme ceci. Alors, d'instinct, on a tendance à les mettre comme ça, les onglets. Ça se met pas du tout comme ça. Hein. Voilà, on a tendance à les mettre comme des griffes. Si vous faites ça, la corde, au moment où vous allez gratter, elle va résister comme ça à votre onglet, il va se lever et il va tomber. Non, les onglets, ça se met dans l'autre sens. Ça se met comme ça. C'est fait pour gratter comme ça. Alors les onglets, hein, ça a un inconvénient, c'est que du coup, on peut plus attaquer les cordes avec ces deux doigts-là dans ce sens-là. Sinon, il va arriver la même chose. Hein. L'onglet va se décaler comme ça ici et il va finir par tomber. Non, non. Maintenant, ces deux doigts-là, c'est vraiment pour les attaques vers le haut et ce doigt-là, c'est pour les attaques vers le bas. Parce que, encore une fois, hein, c'est pareil, hein, si jamais j'attaque dans ce sens-là, vous voyez, ça finit par se décaler. Alors que là, ici, je peux y aller, hein, y a aucun problème. Alors, je vais pas vous le cacher, le jeu aux onglets, particulièrement plastique en plus, hein, au début, ça fait vraiment bizarre. C'est une horreur, on n'arrive pas à s'adapter et tout, enfin, c'est... Mais, comme toute chose, hein, au bout d'un moment, on finit par s'y faire, et ça nous donne un avantage vraiment non négligeable sur le contrôle du son et sur le volume. Si vous jouez en électrique, aucun problème pour jouer au doigt. Vraiment, ça ne posera aucun souci. En revanche, si vous jouez sur acoustique, vous allez vous rendre compte que le slide, il souffre d'un gros problème de volume. Ça vous enlève une dynamique assez énorme sur acoustique. Et les onglets permettent de récupérer ce volume et cette dynamique. Ça donne un volume immédiatement, on entend vraiment la différence. Si je joue comme ça, j'ai juste mes doigts, je n'ai rien d'autre. Comme ça, en acoustique, ça donne ça. Si maintenant je fais la même chose aux onglets, ben vous allez entendre de suite la différence de volume. Je ne mets pas de compression, je ne mets rien. Pas spécialement fort aux onglets, je tiens à le préciser, je ne grattais pas spécialement fort aux onglets. Soit dit en passant, le volume en acoustique au slide, c'est vraiment ce qui va donner la... Ça va être une véritable guerre pendant tout le début du 20e siècle. D'ailleurs, la première guitare électrique est une guitare slide. Je veux dire, c'est la toute première guitare électrique, la vraie, c'est pas Les Paul qui l'a inventée, c'est pas Leo Fender du tout. C'est Rickenbacker, c'est The Frying Pan, et c'est une guitare hawaïenne, c'est une guitare slide. Donc, toute la guerre du volume, c'est lié au slide, en fait. Hein. Sans la guitare slide, on n'aurait probablement jamais eu de guitare électrique.
il y a un point que j'aimerais aborder très rapidement, hein, ça concerne l'open de sol. En open de sol, notre fondamentale, la fondamentale de notre accord, hein, qui nous donne un sol majeur, c'est notre cinquième corde. La cinquième corde est une corde de sol. La sixième est une corde de ré. Et donc, ça n'est pas la fondamentale. Et il y a un guitariste très connu, hein, qui est Keith Richards, des Rolling Stones, donc, qui lui a fait le choix carrément de supprimer sa sixième corde. Alors, moi, je vous le dis, hein, je trouve ça sacrément dommage, parce que ça nous enlève une énorme possibilité, notamment sur le cinquième degré. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose si je joue ça. Que si je fais... Même en dehors de ça, je veux dire, c'est sacrément dommage, ça nous enlève une palette sonore, quoi. Je veux dire, je peux très bien faire... Ça, c'est quelque chose qu'il pourrait plus faire, par exemple. Bon, après, voilà, avec la distorsion et tout, ça passe, ça reste un choix. Mais je trouve ça dommage, quand même, de se priver d'une possibilité... Ça reste quand même super, quoi, je veux dire. Donne des possibilités percussives, enfin... D'autant que ces accordages-là ne sont pas compliqués du tout, hein. J'y consacrerai une vidéo, mais... Vraiment, l'accordage en open, les accordages en open de façon générale, c'est d'une simplicité, mais vous avez même pas idée. D'autant que vous en connaissez un seul, mais vous en connaissez... En vrai, vous en connaissez plein juste en connaissant un seul. Ça va super vite comme apprentissage. Donc moi, c'est un conseil que je vous donne, hein. Si vous voulez vous mettre aux accordages en open, surtout ne changez pas vos habitudes et gardez cette sixième corde. La guitare est prévue pour ça, pourquoi s'en priver? À la limite, si vous aviez une cigar box que vous fabriquez vous-même et que vous faites 3 ou 4 cordes, j'adore ça, j'aimerais beaucoup en avoir une. Mais là, votre guitare peut accueillir 6 cordes, pourquoi s'en priver? Alors ensuite, qui écouter, quel répertoire se forger? Parce que très souvent, voilà, on achète un bottleneck, on se dit « Waouh, trop chouette et tout, je vais pouvoir enfin faire du slide !» Et puis, vous vous rendez compte que vous avez pratiquement aucun morceau spécial à jouer, ou quelque chose à écouter, ou... Voilà, on n'a pas spécialement d'influence, il faut se reforger un répertoire. Alors moi, je vais vous donner quelques noms, comme ça, hein, vous avez... J'en ai noté quelques-uns, là. Kelly Joe Phelps... Très bon, voilà, on trouve quelques vidéos sur YouTube, très bon slide. Évidemment, vous avez Son House, vous avez Robert Johnson, forcément. Tamparhead, que j'aime énormément, ça c'est en acoustique, hein, vraiment. Tamparhead, vous avez qui d'autre? Vous avez Becca White, même si là on arrive à un registre un peu plus blues country. Voilà, donc là, ce que je vous ai donné là, c'est vraiment du Delta Blues, hein, à part Kelly Joe Phelps. Pour moi, le top du top, ça, c'est quelqu'un qui nous a quitté malheureusement il y a 4 ans, c'est Bob Brosman. Ce mec-là était un amoureux du slide de façon générale, pas que du bottleneck, mais vraiment du slide. Il avait dédié sa vie aux accordages en open et au slide, donc c'est vraiment le maître, quoi. Pour moi, il n'y a personne au-dessus, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas critiquable, hein, mais, dans son jeu ou quoi, mais pour moi, il n'y a personne au-dessus. Voilà, Bob Brosman. Vous savez, il fait partie de ces artistes, on a tous ça, hein. On a tous un guitariste comme ça qui nous fout une claque et on s'en remet jamais, quoi. Bob Brosman, pour moi, il fait partie de ces gens-là. Je veux dire, écoutez par exemple Highway 49 sur YouTube, vous trouvez ça. Ça a été une vidéo claque. Vous écoutez Command in My Kitchen de Robert Johnson par Bob Brosman. Vous tapez Command in My Kitchen, Bob Brosman, vous trouverez ça. Enfin, ça marque. Vraiment, ça marque. Quand on entend ça, on prend une claque, quoi. Après, quel morceau travailler? Je vous cache pas qu'en acoustique, je suis bien embêté, parce que pour moi, aucun morceau acoustique qui implique le slide n'est simple. Notamment parce qu'en acoustique, bah forcément, on n'a pas un groupe derrière soi, hein, donc on est obligé, du coup, de garder une ligne de basse qui va se vouloir indépendante et toujours là. Pendant que le bottleneck, lui, il va jouer une mélodie. Et c'est ce qui fait que le jeu en slide en acoustique, il est très compliqué, parce qu'on est quasiment obligé de se mettre au fingerpicking. Si on s'y est pas déjà mis, c'est... Je vous cache pas, c'est compliqué, hein. J'ai fait comme ça, j'avais jamais fait de fingerpicking avant ou quoi.
Et on est obligé d'acquérir cette indépendance entre la mélodie et la basse qui, elle, va toujours rester là. Bienvenue dans la partie électrique de cette vidéo. Alors, à la guitare électrique, le slide ne fait pas partie intégrante de mon jeu, hein, c'est-à-dire que je peux en mettre de temps en temps comme ça, mais voilà, c'est pas une énorme partie de mon jeu, j'en mets de temps en temps. Alors, il y a énormément de points qui se recoupent avec l'acoustique, hein, de façon générale, avec la guitare acoustique, et c'est pour ça que je vous invite à voir les parties précédentes, ainsi que les parties en commun. Maintenant, qu'est-ce qui est spécifique au bottleneck en électrique? J'ai dit que je préférais les bottlenecks en métal. Malheureusement, il n'y en a pas du tout de mon diamètre interne, du diamètre interne dont j'ai besoin au niveau des doigts. Donc bah, par défaut, je fais avec un bottleneck en verre et vous voyez que ça sonne, hein, c'est pas le problème, ça sonne. Qu'est-ce qui est spécifique, vraiment, à la guitare électrique? Alors, ça va être essentiellement hein, le jeu aux doigts. Vous ne pouvez pas, je disais, jouer du bottleneck au médiator, c'est pas possible. Parce que dès l'instant où vous mettez une distorsion, aussi légère soit-elle, vous êtes obligé instantanément de bloquer les cordes sur lesquelles vous ne jouez pas et que le bottleneck touche. Par exemple, si jamais je joue la corde demi-aiguë et que mon bottleneck touche la corde de si, vous entendez cette note-là qui résonne quand même. Alors que si je bloque cette corde-là, la corde de si, et que je joue avec la corde de mi uniquement, j'ai beau toucher la corde de si, on entend vraiment que la corde de mi là. Idem, si je veux passer sur la corde de si, ça veut dire que mes doigts ils vont devoir se décaler d'une corde, hop là, pour pouvoir bloquer à la fois la corde de mi et la corde de sol. Alors, je suis accordé en standard, hein, du coup, vous voyez que ici, là, j'obtiens la blue note. Voilà, je suis obligé constamment de bloquer avec les doigts de ma main droite. C'est un jeu qui est très contraignant. Dès qu'on met un petit peu de compression ou de distorsion, on obtient ces sons parasites qui deviennent très vite infernaux. Alors là, je suis accordé en standard, hein, ce qui vous prouve bien que oui, on peut jouer du slide, même en standard, ça n'est absolument pas un problème. Même si certains guitaristes préfèrent jouer au bottleneck, même à l'électrique, en open, en accordage en open. Alors, il y a deux open qui sont très répandus, c'est les mêmes que les open, entre guillemets, classiques à l'acoustique. À l'acoustique, c'est open de sol et open de ré. À l'électrique, c'est pareil, mais un ton au-dessus. En général, on a un open de mi majeur, ce qui nous donne, en termes de notes, ça donne mi, si, mi, sol dièse, si, mi. Et on a aussi l'open de la. Alors l'open de la, du coup, hein, ça va vous donner mi, la, do dièse, mi. Donc en général, on prend des tirants de cordes un petit peu plus élevé, hein. Là je joue sur du 9, 46 ou 42 sur cette guitare là. Voilà, bon, c'est très léger, en plus j'ai l'action qui est pas particulièrement haute, ce qui fait qu'il peut y avoir des sons parasites, hein. Ça m'arrive de toucher les frettes, hein. Écoutez ce que ça donne si je suis branché et que je touche les frettes. Alors on entend ces sons qui sont pas très très agréables à l'oreille. Donc en général on va privilégier un jeu, allez, très souvent de 11-52, quelque chose comme ça. On aime bien jouer en 11-52, avec l'action légèrement plus haute. Pas trop non plus, parce qu'il faut quand même pouvoir jouer avec les frettes, il faut quand même pouvoir fretter les notes.
ça reste un jeu quand même très similaire. À la grosse différence que cette fois-ci, vous pouvez vous concentrer sur la partie mélodique. Parce que là, vous avez tout un groupe qui joue derrière vous, hein, donc vous n'êtes plus du tout obligé de garder la basse, comme on ferait à la guitare acoustique. Voilà, avec ce pouce, vous pouvez vraiment vous concentrer uniquement sur la mélodie du bottleneck. C'est la grosse différence entre électrique et acoustique. Notre grosse différence, c'est que le répertoire électrique est beaucoup plus simple à travailler que le répertoire acoustique. On a plein de morceaux pour débutants au bottleneck en électrique, ce qu'on n'a pas du tout en acoustique. On manque de ça vraiment à mes yeux. Par exemple, vous avez Back to the Bone de George Thorogood, hein, qui utilise que la corde de ré de sol. Tout le morceau tourne autour de ça. Voilà, tout le morceau fait ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à exploiter, même si je crois que lui le joue en open de sol. Voilà, ça reste très faisable en standard, hein. Vous voyez, il y a juste pouce index, et c'est tout. Ensuite, vous avez quoi d'autre comme morceau? Vous avez par exemple le solo de Seven Nation Army. Encore une fois, le fait de porter le bottleneck au petit doigt vous permet de faire ce riff, hein, uniquement avec index et annulaire. Hein, donc... Et donc vous avez le solo qui lui se fait sur une corde, les cordes de sol et les cordes de mi. Ça fait donc... Puis ensuite vous passez case 12, corde de mi aiguë. Et du coup, c'est pareil, hein, ça fait 12, 15, 14 et 17. C'est exactement la même chose. Voilà, tout simple. Donc vraiment, c'est deux standards à travailler comme ça, et vous en avez plein après, hein. Vous pouvez travailler Manish Boy, pareil, hein, c'est le même que George Thorogood. Hein. Ah, vous avez quoi? Vous avez Manhattan Kaboul qui utilise du slide ta 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 ta. Voilà, ça, je vous le fais pas, hein. Bref, vous voyez l'idée. Qui écoutez pour le jeu au slide en électrique? Pour moi, il y en a principalement deux. Il y a Derek Trucks qui a un jeu, il joue énormément lui sur une seule corde très souvent, et lui il conçoit son jeu en mélodie, pas en plan. C'est l'autre gros travail qu'on a à faire par rapport au jeu standard, c'est que là, on va énormément travailler beaucoup plus instinctivement que jeu standard à l'oreille. Parce que non seulement vous allez, si vous travaillez uniquement à l'intonation de vos frettes, vous risquez d'être faux, et donc il va falloir vous recaler, il va falloir constamment que vous travaillez à l'oreille. Donc il y a, je disais, Derek Trucks, il y a un autre guitariste que bizarrement tous les guitares reconnaissent, mais qui est inconnu du grand public, c'est Sonny Landreth. Alors ce gars-là, il faut absolument que vous écoutiez Zydeco Shuffle. Je vous mets le lien dans la description ou dans la vidéo. Mais dès les premières notes, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Et alors lui, il a développé un jeu. C'est pour ça aussi que porter son bottleneck à l'auriculaire, ça a un gros avantage. C'est que lui, il va slider sur une note. Et en même temps, avec son doigt, pendant qu'il slide, il va pouvoir slider et en même temps fretter les notes derrière. Et il fait ça avec une, une,
une dextérité, enfin une rapidité, une précision, c'est vraiment incroyable à voir. Allez voir et écouter Zydeco Shuffle, c'est une claque. Voilà, en plus il a un son qui est pff, bref, voilà, c'est vraiment impressionnant. Sinon vous avez qui d'autre? J'ai noté George Thorogood, Billy Gibbons des ZZ Top, vous avez impressionnant aussi, Johnny Highland. Vous tapez Johnny Highland Slow Blues et il y a une vidéo sur laquelle il joue au Bottleneck. Vraiment, ce gars-là est incroyable. C'est un guitariste de country, donc le gars, c'est... Voilà, au-dessus, il n'y a rien, quoi. Johnny Highland, vous avez évidemment Ry Cooder. Kirk Lorange. Alors, Kirk Lorange, vous trouvez quelques vidéos comme ça sur YouTube qui sont très bien faites. Voilà. Vous avez Johnny Winter et vous avez Bonnie Raitt. Bonnie Raitt, donc, qui est une guitariste, hein, une bluesman. Voilà, c'est vraiment... Elle est super elle aussi quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était quelques conseils pour bien débuter au Bottleneck. S'il y a des questions qui persistent, qui subsistent, mettez-les dans les commentaires. Et j'y répondrai soit dans les commentaires, soit par le biais d'une autre vidéo. Et je pense que ma prochaine vidéo du coup sera une vidéo un peu plus technique, vraiment cette fois-ci pour avoir les bases de la technique au Bottleneck. Voilà, d'ici là, jouez bien. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.